Bon. Qui a vu le match? Si t'as vu le match, t'envoies des émojis. Si t'as, tu choisis l'émoji que tu veux envoyer. Tu choisis. Voilà. Mais je veux un maximum d'émojis. Je ne n'influencerai pas sur ton choix. Mais je te demanderai de d'émojiser ce débrief qui va être sincère. Je pense que si tu es là, tu as sûrement vu le match, donc je ne vais pas poser la question. Et même si tu n'as pas vu le match, tu penses savoir ce qu'il s'est passé au vu de mon expression corporelle. Ose. Si t'aimes le cinéma, fallait regarder ce qui s'est passé là. Nous allons débriefer ensemble la défaite de l'équipe de France de football en finale de Coupe du Monde 2022 au tir au but 4 à 2. Tout d'abord, je pense que le débat est fini. Il vient de couper sa ligne. Officiellement, plus personne ne peut appeler Léo Messi. Si tu me connais, tu sais que je suis un pro Ronaldo, CR7, mais officiellement, on ne peut plus l'appeler. C'est-à-dire que lui, aujourd'hui, il ne peut parler que par MSN, je ne sais pas si tu as connu, il peut parler avec Pelé et Maradona. Actuellement, tout de suite, il vient d'ouvrir une nouvelle adresse mail, Hotmail, pour pouvoir parler avec ces deux individus. Donc, nous allons débriefer ensemble ce qui s'est passé. Alors, Scaloni, nique ta mère. Non, je te dis, je vais être sincère. Scaloni, c'est l'entraîneur de l'Argentine. Ce que tu nous as fait, quand j'ai vu que t'as mis Rastapopoulos titulaire, j'ai dit toi. Pas senti venir. Angel Di Maria l'a senti, mais nous, on l'a pas senti. Le mec, tu l'as puni pendant toute la Coupe du Monde sur le banc. Pourquoi tu le mets de tir? Je t'ai dit, si t'aimes le cinéma, je vais te faire un trailer de ce qui s'est passé, frère. Alors, Mbappé là. Chrisman est là, Tchouaméni est là, Upamecano, tous ceux qui étaient malades, grippés, qui ont eu le Covid, la malaria, ils sont tous sur le terrain et tu les sens, ils sont bien. La manière dont ils ont entonné l'hymne national, tu te dis, il n'y a plus rien, on a effacé le virus, ils sont bien. L'Argentine, c'est la même équipe, sauf ils mettent le nez de pioche sur le terrain, Angel Di Maria. On joue. Bonjour, bonjour. Frère Hernandez, il est pas bien. Je sais pas, Hernandez, il est pas bien. Lui qui nous a sauvés en demi-finale, il est pas bien. Je sais pas. Tchouaméni, on joue vers l'arrière. Hernandez, il perd 2-3 ballons. Dembélé, il a dit, vas-y, je vais attaquer. Il n'attaque pas. Aucun ballon sur Mbappé. Giroud, il marche. Je pense que son genou couine. Et on arrive à la 10e minute. Et là. Ohé, ohé, capitaine abandonné. Ohé, ohé, où sont passés ces enculés? Plus personne dans le bateau, frérot. Ils ont tous sauté à l'eau. Ils ont vu l'iceberg. Comment des joueurs comme McAllister, frère, ils jouent à Brenton, ils te mettent la misère. Ils sont un joueur, un Argentin déguisé en Écossais, frère, qui fait la misère. Toute l'équipe en même temps. Messi, pourquoi vous avez pas mis tout le pays sur Messi? Pourquoi je serais venu? Je serais venu, mais ma pièce, je serais venu, je serais parti il y a un mois, je serais venu! C'est-à-dire que Griezmann, Tchouaméni,
rabures nous sont apportées, le milieu de terrain, c'est-à-dire que nous étions au boulevard Haussmann. Je sais pas si tu es déjà allé au boulevard Haussmann, mais c'est un grand boulevard. Derrière les grands boulevards, où on a dit à l'Argentine, installez-vous. Il y a les galeries Lafayette, là-bas. Pas loin, vous avez Mogador, vous pouvez aller voir le Roi Lion. Derrière, il y a Opéra, il y a un McDo, Pizza Hut, bande de bâtards. Quand j'ai vu que vous l'avez. Comme si les Allemands étaient revenus en 1945. Rien. Je te jure, frère. Incompréhensible. À partir de la 15e minute jusqu'à la 45e, c'était vraiment les Gypsy Kings, les Argentins. Ils avaient leur guitare sur le terrain. Bon, allez. Ils dansaient le tango argentin. Il y avait Diego Maradona sur le terrain. Mario Kempes, il était avec ses pop-corns dans les loges, frère. Vous avez pas eu pitié de nous! Vous avez pas eu pitié de nous, putain! Didier, il voit qu'on est en train de faire un remix, un remake du film de James Cameron, Titanic. Voilà. Donc, on est comme, tu sais que le Titanic, il part du Havre. Je crois qu'il part de la France, je suis pas sûr. Mais là, il est parti. Là, il est parti de Bordeaux, là. Là, frère. Il a dit, je veux niquer vos mères. Dembélé, viens ici. Giroud, avec ton genou bâtard. Viens ici. Il les fait sortir les deux. Il fait rentrer Thuram, le fils, et Kolo Muani. Je pense qu'on aurait même pu faire rentrer le père. Il était là. Il était là. Tellement vous étiez des nulards. Frère, toi, tu vas jouer des finales de Coupe du Monde toute ta vie. Griezmann, qu'est-ce qui s'est passé, Grisou? Qu'est-ce que t'as mangé avant? Si t'es malade, si le virus est encore en toi, tu dis, je joue pas! Théo Hernandez, frère! Théo Hernandez, tu nous as abandonnés, papa! Donc il rentre. Il attend même pas l'habitant. Il fait rentrer Kolo Muani, Thuram. Pourquoi il les fait rentrer? Parce que je t'ai pas expliqué. On prend des buts! Tu sais, je suis tellement fou que je te dis même pas pourquoi ils sont rentrés. Ousmane a décidé qu'il était défenseur. Il a bien défendu toute la Coupe du Monde, il a bien défendu. Il n'a pas fait son taf devant, mais il a bien défendu. Donc, Angel Di Maria, il arrive avec son nez. On est à la 23e minute. Il arrive avec son nez. Le problème du nez d'Angel Di Maria, c'est que c'est comme un fakir. Tu connais les fakirs? Les fakirs, c'est des gens qui font danser des serpents. Il a fait danser son nez comme ça. Devant la moustache d'Ousmane. Puisqu'Ousmane est devenu un stand-upper, il a décidé d'être le sosie de Di Murphy avec sa moustache. Il a vu un nez comme ça, le nez de Di Maria, bouger devant lui. On arrive devant la surface, il crochette Di Maria comme si c'était son fils. Il plante son nez dans la pelouse et tombe à cause de la moustache. Ousmane Dembélé a attaqué avec sa moustache. Il a une moustache, frère, putain de merde. Je sais même pas comment il peut manger un hamburger. Une moustache, il a attaqué Ousmane. Pénalité. Messi s'en charge, 1-0. Et quand on prend le 1-0, frère, on s'enfonce dans la terre. Nous devenons fertiles. C'est-à-dire, j'ai l'impression, plus on courait sur le terrain, plus l'herbe poussait, plus les Argentins étaient en haut, et nous étions devenus, tu l'as vu, mille et une pattes, voilà qui nous étions. Nous étions devenus les fourmis, et eux, c'était devenus les sauterelles. Ils étaient en train de nous manger comme si c'était le petit déjeuner, comme s'il était 7h, juste avant de partir au collège. Ils étaient en train de nous picorer comme ça. Alors, juste avant de nous achever, on essaye avec des Upamecano. Tu sais, c'est une finale, frère. Upamecano, il insulte les mères de tout le monde. Donc, à un moment donné, on balance des cacahuètes comme si on était en district, frère. Comme si on était en fait cacahuètes. Et à un moment donné, pour une fois qu'on a le bloc haut, ils nous mettent une contre-attaque. Mais là, c'est Star Wars. Star Wars, vraiment, Anakin Skywalker était sur le terrain.
Donc vraiment, l'Empire, ils nous ont mis une contre-attaque, frère. La balle va là, au milieu, une touche de balle. Ça revient. T'as déjà joué à pinball sur ordinateur? Voilà, il y avait le solitaire, mais il y avait aussi le pinball. Hein, la balle, ping, 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 contre-attaque. Tchouaméni qui se fait larguer par je sais pas si qui s'en va comme s'il était chez lui. Si c'est McAllister, si c'est Alvarez, si c'est qui. Il se fait vraiment le boulevard Ousmane, je t'ai dit, il était chez lui. Deuxième poteau, Koundé, trop court. Angel Di Maria qui frappe la balle avec son nez. Ça saute la fesse de Loris 2-0. Alors là, tu dis, qu'est-ce que tu fais? C'est terminé. Je te jure, moi-même, je dis. Et c'est là qu'il a fait rentrer les deux autres. Donc on arrive à la mi-temps, 2-0. Et c'est la même galère pendant 30 minutes. Je te jure, il ne se passe rien. Il se passe tellement rien que tu sais ce qu'il fait, Didier? Il sort Hernandez et il fait rentrer Camavinga arrière-gauche. Si tu as suivi la Coupe du Monde, tu as vu que Camavinga était sûrement... était sûrement le latéral gauche le plus abominable que le monde du football ait connu. C'est-à-dire que Camavinga contre la Tunisie, il ne savait même plus comment il s'appelle. Et toi, Didier, tu le fais rentrer arrière-gauche. J'ai dit, là, si Didier, avec ses nouvelles dents, fait ce changement, c'est que vraiment, il a mis toutes ses cartes sur la table. Il était prêt même à donner sa licence au président de la FIFA pour pouvoir jouer à la place de Hernandez tellement il était en galère. Et Camavinga rentre. Et là, Jésus arrive sur le terrain. Il faut savoir que les seuls frères qui mettent leurs couilles sur le terrain, c'est Kolo Muani. C'est Kolo Muani Marcus Thuram qui mettent leur rame. Rabiot, il nous a abandonnés. Tchouaméni, il nous a abandonnés. Mbappé, il pouvait rien faire. Tous, ils nous ont abandonnés. Même Varane était potable à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est Kolo Muani, le Nantais, qui joue à Francfort, qui bouscule les choses, il récupère des ballons, alors qu'il attaque en ta mère! Comment c'est un néo-français qui vous, néo-sélectionné qui vous montre comment on met son âme? Comment on met son âme sur le terrain? Kolo Muani. Et on arrive à un moment où on est fou. Je te jure, moi je suis parti voir le match dans un bar. Fallait voir la tête des gens. J'ai vu des filles qui se sont transformées en gargamel, le visage, c'est-à-dire les pommettes au niveau des genoux. J'ai vu des beaux gosses qui se sont transformés en sorcières. Le visage, je te dis. Même moi, j'avais le regard livide. Tu vois les vampires dans Blade? Je sais pas si t'as vu Blade 1. À un moment, il y en a un là qui est dans un trou et il y a la Renoir qui tombe dans des lits. J'ai l'heureux, je me sens livide. Va regarder le film juste pour ce que je viens de te dire. C'était lui. C'était moi dans le film. C'était moi. Et là, je te jure, une balle anodine, Kolo Muani, je te jure, il est parti de... Il était au bassin olympique, il était à 50 mètres du ballon, frère. C'est-à-dire que personne, ni Mbappé, ni son père, ni son frère, personne ne serait parti en kikiner le défenseur pour eux. Et lui, Kolo, il a dit, Kolo, colonie de vacances, je suis pas venu en colonie de vacances. Il va, il se bat, il passe devant le défenseur, et met son là, pénalty, frère. Mbappé est parti dans les vestiaires, il est parti récupérer ses couilles, il les enclenche contre pied 2-1. Et là c'est, je sais pas, je t'ai dit c'était un film, je sais pas quel film je peux te. Il faut trouver le nom d'un film qui s'est passé à ce moment-là, frère. On est à la 78e minute. Attends, je m'en fous. Tous les joueurs sur le terrain avaient perdu leur couille. Après ce pénalty-là, ils vont tous les récupérer. Je ne sais pas quel film vous pouvez me trouver. Si c'est La Guerre des Boutons, si c'est Terminator, si c'est la bande à Oui-Oui, Pokémon. Il faut trouver un film qui nous a fait mouiller le pantalon de cette manière, frère. Une révolte. Thuram, Kolo Muani, Camavinga, frère, Camavinga, quelle entrée.
Il y a un sur le terrain. Ils font des va-et-vient. Et à un moment donné, Jésus rentre dans le corps d'Mbappé. Une deux avec Kolo Muani ou Thuram, entrée de la surface. Il est tellement fou qu'il a, il a le temps de contrôler, ajuster pour le 2-2. Il dit non, moi je vais rentrer dans la légende, moi. Moi je vais vous faire oublier Zinedine Zidane et tous les autres. Il s'arrête, il regarde. Reprise de volée, petit filet de partout. De partout. Et je te jure qu'on a un cheveu de faire 3-2 avant les prolongations parce que Kolo n'a pas eu le front de Mbappé. Donc prolongation, ça se bat et la dernière. Je sais pas si c'est Dayo Upamecano ou Konaté, je sais pas c'est qui parce qu'il faut savoir que Varane sort parce qu'il a vomi son âme sur le terrain. Il y a une balle qui est en l'air, qui retombe près de notre surface. On n'attaque pas le ballon. Je crois que c'est Tchouaméli. On n'attaque pas le ballon. On laisse le ballon. On les laisse jouer. Contrôle de Lautaro Martinez qui est rentré. Ou de je sais pas qui contrôle. Il fait une passe dans la surface en profondeur. On pense qu'il y a hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Il la remet en retrait. Messi frappe. Koundé sort le ballon. Mais la balle est déjà rentrée. 3-2. Pas d'hors-jeu. On est à la 112e minute. Deuxième mi-temps. C'est fini. Moi-même, j'ai dit c'est fini. C'est fini. On s'est bien battu à la fin, mais c'est fini. Et ben non, c'est pas fini. Trouvez-moi le nom d'un film. Il reste 2 minutes. On est de l'autre côté. On balance des balles comme si on était en district, frère. Mbappé, il la récupère. Entrée de la surface, côté droit, il frappe. Enzo Fernandez, ou je sais pas, son père ou sa mère, touche la balle du coup, penalty. Alors là. Faut savoir que là, il est déjà doublé. Il a déjà marqué un pénalty. Tu peux t'arrêter là, dire, Loris, viens tirer. Je sais pas, même Didier, viens tirer. Il a dit, non, je vais tirer. Il a tiré la balle, frère. Et il l'a mis. C'est-à-dire que les couilles de Kylian étaient tellement balèzes à ce moment-là qu'elle ripait le gazon. Il est en train de tondre le gazon au même moment. On va à la séance. Et après, Mbappé m'a... Coman rate, Tchouaméni rate, il m'est poussé, on perd. Là, c'était émotionnellement, tu peux pas faire mieux. Tu peux pas faire mieux. Franchement, c'est. On en a vécu des finales de Coupe du Monde. Je suis triste, je suis fâché, mais je me dis. Vraiment, le regain d'orgueil qu'on a eu, c'est triste. J'aurais pu faire le débrief un peu plus avant, mais je dis, je veux regarder Léo soulever la Coupe du Monde et finir le jeu, quoi. Il a fini le jeu, il l'a fini. Mais Kylian, triplé en finale, ça c'est chaud, ça. 8 buts, triplé en finale, je sais pas qui a fait ça, je crois que personne n'a fait. Pelé doublé, Zidane doublé, je sais pas qui a fait des triplés, mais je crois que c'est le premier. Donc c'est-à-dire 2026, on revient les amis. C'était une belle finale de Coupe du Monde. Dommage pour nous. Je suis triste. Mais je suis quand même moins triste qu'en 2006. Parce que là, je sais pas. Venons, on parle rapidement. Après, on va aller dormir. Parce que là, on est quand même encore un peu... Et moi, je... Ouais, Traoré, Mohamedou, Kolo Muani, il a l'occasion de finir le jeu 120e. Pourquoi tu tires fort, Kolo? Pourquoi tu tires fort? Tu ouvres ton pied, tu le dribbles, tu peux tout faire. Vous allez faire briller Martinez alors qu'il était gardien remplaçant à Arsenal. Pff, voilà. Eh, moi, je lui en veux pas, c'est lui qui fait la révolte. C'est chiant, mais c'est lui qui fait tout. Ouais. Bon, allez, venez, on arrête, on va. Parce que là, je suis quand même triste, hein, je fais genre. Mais... Allez, bien joué. Bien joué, on se voit en 2026, bien joué.